fait mon bonnet super tendance. Ça veut dire quoi d'abord, super tendance? Ça veut dire qu'il a tendance à ressembler à une grosse tomate molle. C'est ça, allez-y, rigolez, bande de bananes. Ça veut dire qu'il est top modèle, n'importe qui le verrait tout de suite. Salut, Marco. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, le nain de jardin? Vous êtes rien qu'une bande de nuls, de débranchés de la mode. Il n'y a qu'à vous regarder. Diteuf plus Nadia égale love. Pas mal, non? Bon, t'as fini? Pousse-toi, c'est à moi maintenant. Non, j'étais là avant. Oh, c'est à moi, je dis. C'est moi alors. Descends de là. C'est à moi, je dis. C'est mon tour. C'est pas juste. C'est rien d'autre qu'un tas de pauvres nuques débiles et de têtes de zizi. Hé, hey, Dumbo, écoute, j'ai une idée méga marrante. Ça va faire fureur. L'important dans un cadeau, c'est l'emballage. Vite, passe-moi le scotch, Dumbo. Oh zut, j'ai scotché mon cours de maths. Oh, c'est pas grave, comme ça, ça lui fera de la révision. Tiens, mon petit Titeuf, un petit cadeau pour toi. Tu veux dire que c'est un cadeau pour moi, pour moi tout seul? C'est super gentil. Mais tu dois promettre de ne rien dire. Ce sera un secret entre nous. Un secret juste entre nous? Oh, mais alors, on dirait qu'on s'est embrassés. Les gars, Nadia et moi, on a un secret. Vous avez vu ce qu'elle m'a donné à moi tout seul? Et même qu'on s'est embrassés. Ouais, c'est ça! Un cadeau, hein! T'as vu ça dans tes rêves? Et puis d'abord, pourquoi elle te l'a donné à toi? T'es que 9e dans sa liste de garçons préférés. Parce que maintenant, c'est moi qui suis passé premier, pauvre slip. Alors, le chouchou d'amour, tu vas te décider à l'ouvrir, ce cadeau? Non, laisse-moi faire. Connasse, c'est mon cadeau. Oh, Rick, c'est une console Megazork. Je crois que c'est un robot Zork. Moi, mon cadeau. Même pour mal. Ouais, méga kill, une cagoule de Spider-Man. Ouais. Génial. Et c'est... Mais c'est un bonnet de fille. Oh, à quoi? C'est normal. Vous vous attendiez à quoi? Un casque de pompier? En plus, il y a juste la place pour mettre ma mèche. C'est pas une preuve d'amour, ça peut être bande de pingouins. C'est vrai que l'amour, ça donne l'air débile. Vous êtes que des sales jaloux, c'est tout. Titeuf, veux-tu enlever ce déguisement et cesser de faire le sage? J'ai Mega Dead Destruction. Faut être over Mega Speed, pas que des vies, sinon t'es rayé de la galaxie. Alors, Titeuf, il te plaît mon cadeau? C'est super. Et tu peux t'aller encore plus vite en appuyant sur Mega Speed. Tu vois, je le quitte plus ton bonnet. Oh. Qu'est-ce que t'es mignon! C'est drôle, on dirait un grand gnome. Hé! Hé! La petite fille au bonnet, tu veux pas te ranger sur le côté, s'il te plaît? Ouais, vous entendez ça? Titeuf est une petite fille. C'est le petit faperon rouve. Tu fais ce qu'il dit, le petit faperon rouve? Pauvre Luc. Si j'aurais su, j'aurais pas tombé amoureux. Oh non, alors. Titeuf, c'est prêt! Oh, toi, Mini-Crotte, est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis? Titeuf, c'est l'heure! Tiens, mais où est-ce que tu as dégoté ce bonnet? C'est un cadeau de Nadia. Je crois que tu ferais mieux de penser à le lui rendre, mon chéri. Que le monstre qui est dessous mon lit t'emporte avec lui pour toujours! Enfin, un bon débarras! Titeuf! Ton nouveau bonnet! Oh,
gentil. Tiens, mange ça. Hé, là, dans le film, t'as une méga soucoupe volante d'au moins 1 million de... Oh, tiens, comment ça va ce matin, Titeuf? Faut que tu fasses gaffe à pas enrhumer ta mèche sans ton beau petit bonnet de laine. Ouais, c'est ça. Salut les bébés. Mais où est passé ton bonnet, Titeuf? Oh là là, t'imagines pas ce qu'a pu m'arriver. C'est une histoire de fou. Une méga météorite intersidérale a dégringolé en plein dans ma maison et s'est crashé juste sur mon bonnet. Il a explosé en milliards de neutrinos. Oh non, le gentil toutou interplanétaire qui ramène son joli bonnet à Titeuf. Si c'est pas chou, ça. Oh, qu'il est mignon. C'est un beau chien-chien, ça, hein? Oh, ich bout alors ton bonnet, Dido. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit que si c'est un poisson d'avril que t'as sur la tête, vu l'odeur, il doit fluer très très vrai. La crise quand le chien lui a rapporté le bonnet. Et puis quand il a remis le bonnet, la tête. Il a drôlement bien eu le Titeuf. Il est tellement amoureux de toi qu'il serait capable de porter ce bonnet ridicule tout l'hiver. Sale traître de bonnet pourri, je te déteste. Je ne porterai plus jamais de cadeau de Nadia d'abord. Maintenant, c'est fini la rigolade. J'en ai plus rien à faire de ton bonnet de lutin de nul. Et puisque c'est comme ça, je suis plus amoureux de toi, là. Titeuf, viens mon petit. Tu as beaucoup de chance que je l'ai reconnu. À l'avenir, sois quand même plus soigneux avec tes affaires. Après l'explosion de la centrale nucléaire, tout n'est plus que décombres, désolation et paysages apocalyptiques dans cette petite ville de la Sibérie orientale, où le feu radioactif a absolument tout consumé. Regardez, c'est un compteur Geiger. C'est un appareil qui calcule exactement le taux de radiation, en particulier dans les usines de plutonium et d'uranium. Le plutonium? Est-ce que ça viendrait pas de la planète Pluton? Bien sûr, Titeuf. C'est un cadeau des extraterrestres. Waouh! Je savais pas ça, moi! Ces plantes irradiées sont placées dans un module de décontamination. Tu sais, ces images me rappellent cet effrayant documentaire sur ces Japonais irradiés. Ils leur poussaient plein de bras. Des Japonais avec plein de bras? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Ne bougez plus! Sayonara! Ninja! Hawaii! Je te dis qu'elle va pas tarder. Elle sort toujours de sa salle de bain à 10 heures précises. Tiens, la voilà. Regarde. Waouh, ça c'est une fille. Waouh, plutôt top canon. Fais gaffe aux géraniums de mon père. Qu'est-ce que t'as dit? Des uraniums? Mais c'est des fleurs aromato-atomiques. Bien sûr que non. Mais si je te le dis, je l'ai vu à la télé hier. Ah, t'as peut-être raison, mon pote. Alors c'est sûrement à cause des radiations que mon père y met des gants quand il jardine. Et moi, je viens juste de les toucher sans gants. Oh là là, c'est sûr, maintenant je vais choper le virus radioactif. C'est encore la faute de ces crétins plutoniens de malheur. Je crois que j'ai la radio-lactouille des doigts. Vite, il faut appeler un docteur. SOS médecin, je vous écoute. Allô, docteur? Je viens de toucher une plante aromatomique et je crois bien que je suis radié. J'ai peur qu'il me pousse une troisième main. Oh, ça fait rien, c'est toujours utile quand les deux autres sont prises.
Oh, t'inquiète, mon pote. Elle va sûrement pas pousser en une seule journée. Mais ça peut devenir un problème pour tes enfants. Oh non! Il faut que je dise à Nadia que pour le mariage, c'est râpé. Je veux pas qu'elle accouche d'un bébé hirochinois. Avec trois mains, ça doit être plutôt cool, tu crois pas? Dis-moi, si ton père, il a des plantes radioactives, il a peut-être un compteur Gégène ou quelque chose comme ça. Eh ben, il y a qu'à regarder dans sa trousse à outils. Et voilà le travail. Ça, c'est un compteur Gégène. J'espère que c'est pas dangereux. Bof, ça fait rien. Tu dois pas être trop radié, à mon avis. Ouais, je peux te dire que je me sens déjà mieux. Je suis pour radié. Ouais. Youpi. Ouais. Je suis pour radié. Oh, dis donc. Et la plante, il faut la décontaminer. Tu es sûr de ton goût? Bien sûr, mon vieux. J'ai vu ça à la télé dans l'émission de Tchernobyl. Tu vas voir. Le micro-ondes va la décontaminer. Oh! Y a pas, faut s'en débarrasser ou elle va contaminer toute la famille. Va y avoir un retour des champignons. Hé, regarde, ça brûle. Le micro-ondes est contaminé par la plante aromatomique. Ça va faire de la bouffe méga Tchernobyl, tout ça. Viens par là, j'ai une idée. Tada! Tu crois que c'est le moment d'aller jouer au bac à sable? Je l'ai vu tomber du balcon là-haut. Alors, les cosmonautes, on va faire un petit tour sur la Lune? Tu veux qu'on enterre ça dans le sable? Mais t'es babe, les pauvres gosses, ils vont être complètement désintégrés. On le fout à la flotte, alors! Non mais t'es pas ouf! Et après, les gens, ils vont bouffer du canard au plutonium! Eh ben, on a qu'à l'enterrer sous cet arbre, là! J'espère qu'ils vont pas se transformer en méga-bombe atomique à retardement! De chaud, moi, dans cette combinaison. C'est normal, mon vieux. Il y a plein de radiations à l'intérieur. Faut qu'on balance tout ça vite fait. Hé hey, bande de voyous, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas, messieurs les agents. Ils ont vidé ma trousse à outils, malmené mon potentiomètre et volé le four à micro-ondes. Nous avons sûrement affaire à des cambrioleurs bricoleurs. Tiens, 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 tiens. Vous voilà enfin, tous les deux. Pouvez-vous me dire où vous étiez? En train de jouer dans le parc. Et pouvez-vous me dire si tout était normal quand vous êtes partis? Ouais. Et vous savez si on vous a volé autre chose? Eh bien oui, toutes les affaires de ski. Mais pour vous dire la vérité, ce qui me fait le plus de peine, c'est la disparition de mon superbe géranium. Bah ouais, mais au moins comme ça, vous risquez plus du tout qu'il vous pousse un troisième bras au milieu du ventre. Hein? Titeuf, est-ce que tu veux bien venir m'aider à mettre la table? Titeuf! Où est-ce que tu es encore? Je suis aux toilettes. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'on fait d'habitude aux toilettes et j'en profite pour vérifier si par hasard il ne pousserait pas un deuxième bout de zizi.
juste. Tchou. Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Tcho! Y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules. Rien, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Prévenu, Scully, ce sont des hommes-poissons venus de Mars. Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier Envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant Dossier Envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scully, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip! Mais t'as rien compris! Pourquoi est-ce que tu crois que mon père il regarde Dossier Envahisseur? C'est pour son boulot! Eh ouais, mon vieux! Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens! Et bouge pas, tu vas comprendre! Voilà! Ça, c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator. Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Oh, waouh! Et comment est-ce qu'il fait ton père pour les reconnaître, les aliens? Top secret! Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du Dossier Envahisseur. Titeuf? Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne. Ouais, ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors! C'est vrai, ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi. Tcho, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas, moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Hey, Jean-Claude, il faut que je te parle. Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir. Parce que si le père de Titeuf se trompe, ben moi je veux pas finir en vers de terre, moi, d'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes? Ouais, c'est papa qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors t'imagines, les plantes vertes, je suis sûre que ça lui ferait vachement plaisir. Ah bah c'est... Mais pourquoi pas? Au moins, ce serait original. Cool.
Moi, je suis sûre qu'il va adorer, papa. Maman, moi, je m'occupe des invités. Regarde, Manu, elle est faite, elle est faite. J'en étais sûre. Et a disparu l'extraterrestre. Oh, il l'a zigouillé au Molinator. Et dis-leur que c'est une agression. Non, on va jamais me croire. Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père? Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi au moins je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un garçon prend son père pour un faiseur d'extraterrestre. Enfin célèbre. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il faut, Musclor? On a une finale à gagner, nous! Hé, ça y est! Le flat qui arrive! Waouh! Elle est belle, hein? Waouh! On a gagné au loto, pas? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard, monsieur? Mais non, c'est la voiture de mon patron. On vient juste de m'embaucher, et devinez, comme chauffeur! Volant, l'avant, double rétro en ligne, injection en silicone! Soyez gentils, les enfants, surveillez-la, et pas de traces de doigts, hein? Titeuf! Ton prof de gym vient l'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener. Il s'est coincé le dos. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Non. Vomito. Je crois que j'ai comme une envie de vomir, moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match? Allez, monsieur, s'il vous plaît, sinon on va être discrédifié. Avec votre voiture, on peut foncer. Il n'en est pas question. Cette voiture, c'est mon outil de travail, ce n'est pas pour s'amuser. Mais si on part maintenant, on aurait juste le temps d'y aller. Allez, chérie, il n'en saura rien, ton patron. Tu veux bien faire une petite entorse? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non? Oh, allez, papa, allez, je t'en supplie. Bon, d'accord. Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. Ouais. Allez, c'est parti. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon.
champignons, ouais. Titeuf, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici. On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence. Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher. Vas-y, Vomito, envoie la sauce et les spaghettis en vêche. On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché. Ouais, même que la dernière fois, il a fait vomir la maîtresse à la cantoche. On avait mangé des choux de Bruxelles à la mayo. Ça va, mais... Manu, ça va, j'ai compris. Chauffeur, chauffeur, cité champion. Appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, cité champion. Appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur. Taisez-vous ou je fais demi-tour. Hey, monsieur, vous roulez comme ma mémé. Vous dépassez jamais le 50 à l'heure. Hé, hey, ferme ta boîte à camembert. Mon père s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes, pauvre pas. Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute. Et même que le juge, eh ben, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire. Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet. Papa, j'ai envie pas. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Essayez donc de penser à autre chose. On est presque arrivé. Votre banquette, hein, monsieur. Essayez de penser à votre banquette. Plus vite. Allez, j'ai pas que ça à faire, moi. Oh, je te ferai me fous la chocotte. Gaffez-vous, les gars. Je parie qu'il y a des loups dans cette forêt. Bon, alors, les gars, je croyais que ça pressait. On a la trouille, papa. On voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super affamés. Bon, je vous accompagne. Je crois qu'on a assez perdu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur qui est parti avec votre voiture? Gendarme, gendarme, cité champion. En plusieurs de champignons. Gendarme, gendarme, cité champion. Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve. Ça dépend, monsieur. Qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture? Une rouge, toute rouge. Ah, pour pas vous faire d'illusions. À l'heure qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture. Entièrement repeinte en bleu? Attendez-moi là, les enfants. Je fais une déposition et je reviens dans 5 minutes. Alors surtout, ne bougez pas. Ça craint pour la voiture de ton père. Déjà qu'en plus, bah, il travaille pas trop souvent, ben maintenant... Chaud, les gars. Je sais ce qu'on va faire. Manu avec moi et vous deux ensemble. C'est très gentil à vous de nous raccompagner. Ça y est, c'est fait, Titeuf. C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge. On a bien gratté toutes les voitures bleues qu'on a vues, papa. Il y en a pas une qui est rouge en dessous. Pour ma voiture, vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir, hein? Oui, je crois surtout que vous et vos quatre monstres, vous allez tous rentrer à pied. Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage? Sinon, je vous aurais tous mis au trou. Allez, montez, je vous emmène. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Vite, papa, dépêche-toi, le match va commencer. Allez-y, allez-y. Je vous rejoins. Hein? Ah! La voiture! Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr. Après tout, il n'y a que les roues à remplacer. Hein? Attention à la balle! Hé, hey, papa, je viens de marquer, on est en train de gagner 1-0. Hein? Hé, mais t'as retrouvé la voiture. Cool, on va pas rentrer à pied. On a gagné, les doigts dans le nez. Ils ont perdu, les doigts dans... Allez, oubliez pas, y a pas grand-chose, c'est que de la tôle. Mais bien sûr, le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle. Les doigts dans... On a gagné le match, 3-0. Et Popo, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvée. Perdu la voiture?
Mais comment ça, chérie? C'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups. T'as oublié de dire que juste avant, Vomito, il a vomi toutes ses merguez sur le bord de la route. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des merguez. Et puis après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes. Rien que pour aider votre marine, dame. Taisez-vous. Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer. Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi? Tu peux me le dire? Oh, pas lundi, chérie, bien avant. Ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui pour le conduire à un dîner d'affaires. Dis papa, c'est toi ou Musclor qui va nous emmener la semaine prochaine? Hein? C'est pas juste.